Bonjour à tous, nous sommes le 23 décembre, Noël approche. Alors aujourd'hui, le calendrier de l'Avent nous sort la carte de la réparation. Parce que je suis un ange de la Séphira Tifiret, le divin m'a donné la charge de juger avec amour et justesse. Si tu as posé un geste aux dépens d'autrui, je t'invite à réparer. Je pourrais t'y inciter en te rappelant l'importance des lois karmiques, mais je souhaite que tu agisses avec compassion et désintéressement. Si tu as à réparer quelque chose, fais-le avant tout pour celui que tu as lésé et non dans l'intérêt de ton propre karma. Si par contre tu es celui qui a été lésé, ne nourris pas de rancœur et offre une chance de se rattraper à celui qui a agi à ton encontre. Comprends qu'il est sans doute guidé par son ego ou son désir de pouvoir. Il ne discerne pas la lumière, car l'ombre est plus confortable. S'il refuse la main qui lui est tendue, n'insiste pas, car c'est son libre arbitre. Envoie-lui alors tout simplement toute la lumière présente dans ton cœur. Voici quelques conseils. Sur le plan physique, réparer le tort qu'on a causé demande de l'humilité et du courage, mais redonne une grande sérénité. Si c'est toi qui as lésé quelqu'un, répare. Si tu es la victime, invite l'autre à réparer et pardonne quoi qu'il advienne. Sur le plan émotionnel, agis en pleine conscience avec discernement et compassion envers toi-même et envers les autres. Tes paroles, tes actes seront alors réellement porteurs de l'attention que tu veux y mettre. Sur le plan spirituel, tous les plans sont reliés. Quand tu répares le tort que tu as causé, pense-y. Voilà mes anges, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour le réveillon de Noël. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur « Vous inscrire », d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.